Salut, c'est Kayana et on continue dans Dishonored, la mort de l'Outsider. Donc dans l'épisode précédent, nous avions sauvé Daud et nous avions eu une petite visite de l'Outsider qui est parti avec notre bras et notre œil, mais en échange, on a eu droit à des pouvoirs. Alors, semblance, prenez l'apparence d'un autre être humain. Transfert, téléportez-vous en échangeant votre position avec votre marqueur. Et prescience, arrêtez le temps et explorez autour de vous sous la forme d'un esprit. Ça me paraît bien? Non. Attends, reviens sur le... Voilà. Donc on va aller voir d'autres. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est ça que ça fait. Qu'a-t-il dit? Ça fait un moment que je fais des cauchemars. Et il n'était jamais là. Mais je me sens bien. Forte. Comme il y a longtemps. Il ne m'a pas laissé sa marque. Il a juste dit des trucs bizarres. Puis il est parti. J'ai jamais su ce qu'il me voulait. Fais attention. Les cadeaux de l'Outsider ne sont jamais gratuits. Et on en découvre le prix trop tard. Je n'avais pas le choix. Moi non plus. Ma connexion au grand vide s'estompe. On doit agir vite. Avant qu'il ne m'emporte. Tu as trouvé un moyen pour le tuer? L'Outsider. Comment? J'ai passé des années à chercher sur les réponses. J'ai exploré les îles, traqué les sectes. Et les aveuglés, eux, possèdent une relique. Le couteau qui a créé l'Outsider, il y a des milliers d'années. Et ici, la Karnaga. Un couteau. Tu veux que je le vole? Bientôt, oui. Mais on doit trouver qui dirige les aveuglés. Et où se trouve le couteau? Ces gens sont puissants, des riches, des nobles, les deux. Je ne connais pas leur nom. Mais ils portent tous ce tatouage. Ces brutes du club de boxe parlaient d'aller se faire tatouer. Au Camélia Rouge, dans les quartiers supérieurs de Syria. Je vais voir ce que je peux trouver. Repose-toi, Daud. Je n'aurais pas pu aller seul, mais... Merci. L'abbaye du Kidam nous a ordonné de le haïr toute notre vie. Pour une fois, ils ont raison. Tu travailles pour eux maintenant? Ils préféreraient nous voir morts. Non. L'abbaye ne veut pas de notre aide. Et on n'a pas besoin de la leur. Ok. Alors. C'est pas possible. Mon bras, mon œil. Comme dans mes rêves. Oh mais ça c'est pas normal, ça. C'était le tatouage de tous les membres du club de boxe. Elle m'a retrouvé. Je n'en suis pas surpris, mais simplement heureux. S'il y a bien une personne capable de me retrouver, c'est Lurk. Elle est toujours aussi douée. Je me souviens d'elle lorsqu'elle était petite. Elle n'était pas la première orpheline à rejoindre mon gang, mais bien la plus talentueuse. Je l'ai prise sous mon aile et je l'ai formée moi-même. Elle s'est incroyablement bien adaptée. Je l'ai vue grandir, devenir plus forte, plus rapide. Elle cherchait toujours à m'impressionner, mais elle est aussi devenue froide et impitoyable. Elle aimait porter son masque. C'est moi qui suis responsable de ce qu'elle est devenue, tout comme l'Outsider est responsable de ce que je suis devenue. Je ne pouvais en vouloir qu'à moi-même lorsqu'elle m'a trahi. Elle est différente cette fois. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, ni quelle vie elle a menée sans moi. Oui, elle a blessé... Qui elle a blessé, qui elle a aimé. Elle sait que je lui ai pardonné il y a bien longtemps, mais je me demande parfois si elle a déjà songé à me pardonner.
On va fouiller un peu le bateau. Là, s'il y a des trucs à fouiller. Y a rien. La piste de l'encre. Au cours de sa quête pour tuer l'outsider, Dode a appris l'existence d'un couteau à deux lames qui se trouverait quelque part dans le quartier supérieur de Syria. Trouvez les chefs des aveuglés et découvrez l'endroit où ils cachent le couteau. Transfert. Pour déployer un marqueur, appuyez à nouveau pour échanger votre position avec le marqueur. Vous devez disposer d'une ligne de vue dégagée et être à portée de votre marqueur pour utiliser transfert. Vous pouvez traverser les barrières et les vitres, mais vous ne pouvez pas déployer de marqueur à travers ces surfaces. Si vous utilisez transfert sur la position d'un autre personnage, ce dernier explosera en morceaux et vous subirez des dégâts. Ouais, donc il nous oblige à utiliser transfert. Utilisez Prescience pour explorer les environs et marquer les personnages et les objets en appuyant sur X. Ils resteront visibles à travers les murs. Lorsque vous utilisez Prescience, le temps s'arrête et les charmes d'os et objets clés s'affichent en surbrillance. Appuyez sur A pour monter et sur B pour descendre. Vous pouvez également profiter de Prescience pour déployer un marqueur afin d'échanger votre position avec lui ultérieurement. Oh, ok. Cool.
C'est celui-là. Oh, c'est chouette. C'est des civils. Ça dure pas longtemps. Hein. Oula, mauvaise idée. Très mauvaise idée. Contre les marchés noirs. Y a rien. De cette pagaille. Je fais une fortune pour éviter ce genre de problème. Je supporte plus ma pute. Mmh.
Kidnapper le barman. Mort au mime. Le frère disparu. Bonjour. Il y a un code. Bienvenue. Je suis certain que vous trouverez votre bonheur ici. Vous auriez pas le code de la porte ? Charme d'os plus 2, mine plus 2, grenade plus 2, course silencieuse. Objectif en... Chargement, tir électrique, tir chargé, carreau improvisé. Sensu du vide. Tu es une cible sans méfiance en utilisant semblance. Ouais. Transfert rapide. Utiliser transfert sans passer de marqueur. Ça, ça pourrait être intéressant. Pas de risquer. Je vais prendre celle-là. Murmure des rats. Voilà. Voilà.
ou l'autre. Son lit en se couche. L'armée des Z. C'est une dernière nouvelle visite. C'est ce que j'espérais. L'outsider n'a pas de chance. Non, non, non! On ne peut pas monter. Voilà, peut-être. Merde. Bon, viser avant de... C'est quoi par là? Alors, elle avait dit qu'un gringalet allait comme lui ne tiendrait pas une journée. Évidemment que je sais lire. On dirait le pic du Chimeré. C'est cette lumière.
au pied du mur. Les dégâts de vos attaques augmentent considérablement quand votre santé est basse. Voilà. Pourquoi ça prend autant de temps? Je devais interviewer Shannon il y a des heures. C'est l'après-midi et il n'est toujours pas là. Oiseau chanteur toi. Toutes les villes font diverses. Entre les vivants et les morts. Le réel et l'oublié. Elle regarde tous ses frères. Est-ce que par là? Est un club privé. Vous êtes membre? Oubliez. J'ai changé d'avis. Si c'est un club des aveuglés, vous ne pourrez pas entrer sans tatouage. Club privé. Seuls les aveuglés tatouent ont accès au spectre dans le quartier supérieur de Seria. Il y a un dermographe dans le salon de beauté Camélia Rouge. Mon cher attendre Sean, j'ai tellement hâte de te retrouver, mon amour. S'il te plaît, préviens tes domestiques que je viendrai cette nuit.
Quand je frapperai comme convenu à la porte, j'espère qu'on me fera entrer tout de suite au lieu de me laisser poireauter, transi de froid le temps d'obtenir ta permission. Je t'apporte mes fleurs préférées, elles viennent du fleuriste de mon immeuble. Depuis l'aube, leur fragrance monte vers moi et m'enivre. Je sais que tes sens en éveil rendront justice à leur parfum. Je te prendrai dans mes bras et je te couvrirai de pétales soyeux jusqu'à ce que tu demandes grâce. En attendant, mon cher tendre, je reste. Ton Eolina. Suivez faire, Madame Eloïna Ray, propriétaire du salon de beauté Camélia Rouge, habite un appartement au-dessus d'un fleuriste dans le quartier supérieur de Syria. Il portait juste une robe de chambre. Il n'y a pas de fenêtre ouverte. Une autre porte en bas. Ah non, c'est celle-là. Et on peut pas passer. Bon. Bon, on va aller où? Oh putain. On va aller au Camélia Rouge, hein. Semblant s'appuyer sur l'unité à proximité d'une cible même pour voler son identité, lui faire perdre connaissance et duper ses alliés. Vous pouvez utiliser semblance que sur des cibles vivantes, conscientes ou non. Lorsque vous prenez l'apparence de quelqu'un, votre énergie diminue quand vous vous déplacez. Utiliser semblance pour prendre l'apparence de certaines personnes peut ouvrir des portes, mais vous serez découvert si quelqu'un vous aperçoit après avoir trouvé le corps de votre cible. Thank you.
Le charme est là, mais comment j'ouvre le charme? Efren, je passe rapidement au spectre pour boire un verre. C'est cet endroit qui m'a... C'est de cet endroit que m'a parlé un docker la semaine dernière, celui qui avait la mâchoire fracturée. La description de leur infusion sanguine m'a intrigué. Il paraît qu'elles ont des propriétés étonnantes, euphorie, vision. Je dois le retrouver dans le club pour essayer. Ensuite, je rentre chez moi. Pense à bien refermer derrière toi en sortant. Alberto. Les habitants du quartier supérieur de Sylvia sont priés de nettoyer et d'entretenir la façade de leur demeure et de leur boutique. Et de signaler à la grande tous les vagabonds, mendiants, vandales dans la zone pour élimination. Le succès commercial et la propreté de notre quartier repose sur votre participation et votre attention. Une femme qui vole. Ok. Ah, il y a un bouton là. Je n'avais pas vu. Tueur véloce, vos mouvements sont plus rapides si vos armes sont rengainées. Ah ouais. La boisson préférée des aveugles, je suppose. Ils ont même leur propre club. Alors, tendance. Ça, ça, je sens pas bien. Ouais, c'est la plupart du temps.
Ça devient insupportable. Bon, il faut que je trouve la clé. Hey, au revoir. On ne peut pas monter. Ah putain. Il était planqué. Alors. Voilà. Je paie pour s'empoisonner avec ça. Ça pouvait les achever aussi. Je sais pas ce que vous voulez, mais je peux rien pour vous. Je vous préviens. Je vais aller à l'aide. Laissez-moi tranquille. Voulez. Quelle odeur! Avec quoi mélange-t-il l'encre? C'est là où les aveuglés se font tatouer. Une secte. Bon. Si pour un moment. Allez. Elle me casse les couilles. Allez. Dodo.
Alors, rendez-vous privé pour tatouage avec Madame Eolina Ray. Note à l'attention de Mélissa. N'oubliez pas que je n'accepte de rendez-vous qu'avec les clients recommandés par des membres privilégiés du Camélia Rouge. Je ne me coupe pas du premier venu. Chanyon, chanteur, et un politicien, Yvan Jacobi. Ce sont des gens haut placés. Il y a un troisième chef, mais pas de nom. Yvan, et je parle de tout le monde de l'arrêt. Pas la clé. Non, il n'y a pas de clé. Fleuriste. L'appartement de Ray doit être au-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? Non. Ma chère Eolina, mes domestiques m'ont informé que tu étais passée me voir pendant que je composais et qu'ils t'avaient empêché d'entrer. Je te présente mes plus pâles excuses. Je les avais menacés des pires tourments si quiconque me dérangeait. Ces derniers temps, j'ai du mal à supporter les hordes d'admirateurs qui se massent à ma porte. On me supplie de signer des autographes, de donner des interviews. Impossible de me concentrer, donc de créer quoi que ce soit. Et je ne souhaite évidemment pas t'assimiler à ces masses que je fuis. Dorénavant, quand tu viens me voir, frappe 6 fois à ma porte, avec une pause à la 3e fois. Mes domestiques reconnaîtront le signal et te feront immédiatement entrer. J'espère que tu reviendras bientôt, mon amour. Ciao. Un coup secret ? Sérieux ? Vous ne comprenez pas.
sauvegarde. Oh, papillon. Un bateau. Coucou. Ouh là là. Ce qui vient par ici, s'il fait demi-tour. Se sont trompés. Mon dernier jour de congé, c'était pendant le mois de la glace. J'ai bien mérité une journée de repos pour faire ce que je veux. Ouais, il sait parler au chef, lui. Salut. Allez-vous-en. Ça, ça me... Plus de cuivre, ça je mange, ça je mange.
On ramasse la petite pièce. J'en aurais le cœur net. Alors, ça je prends. Ça. Ça. Et la clé. Il y a des gens, mais il n'y a pas de garde. Voulez. Non. Thank you.
Va donner tout ça. C'est quoi ça? C'est des bouteilles? Un nouveau morceau. Les cartes se vendent déjà très vite. Et ça, c'est King Kong. Ah non, c'est les trucs électriques. D'accord. Non, j'ai pas fini de fouiller. Impression du grand vide. Hop. Le grand vide. D'après ce que m'a dit Dodd, c'est un endroit qu'on n'oublie pas de sitôt. Un petit coup de sauvegarde. Hop. No more what the believers waited for.
Non, ouvre la porte. Où j'en étais? Dernière entrée. Je dois me souvenir de modifier l'aria qui ouvre mon coffre. Et si je le réglais pour qu'il s'ouvre sur la carte de Gloriana de la galerie. Peu importe la chanson que je choisis, tant que ce n'est plus la même. Je ne peux pas me permettre de garder, peut-être viendra-t-elle demain, maintenant qu'Eolina connaît le secret de cette erreur musicale. Je l'adore, mais je ne suis pas stupide. Il faut bien que je protège mes trésors. Ma chère et tendre Eolina croit qu'il faut chanter près de la serrure pour ouvrir. Et je ne l'ai pas détrompé, mais ce n'est pas le cas. Un audiographe de la bonne aria fonctionne tout aussi bien. Tant que le coffre connaît le timbre pur de ma voix, il s'ouvre. La firme de ce coffre affirme qu'il est dangereux de garder des audiographes de secours. Mais que pouvais-je faire d'autre? Je n'oublierai jamais l'infection de gorge que j'ai subie. Cette saleté serrure ne reconnaissait pas mes pitoyables croissements. Elle refusait de s'ouvrir et je n'ai pas pu porter mes bijoux ce soir-là. Non, non. Mieux vaut prendre quelques risques que de me produire sans bijoux. La clé du coffre est une chanson. Originale. Donc ça, c'est le coffre. Pour l'entendre chanter. Et je ne suis pas là pour ça. Elle est chouette, sa baignoire. Ça. Ça. Je stagne. Toutes les chansons que j'écris m'ennuient. J'ai besoin d'inspiration. Il y a en moi des tréfonds que je n'ai pas encore explorés. Des chansons qui feraient passer Gloriana pour les croissements d'un corbeau. Évidemment, mes admirateurs sont incapables de faire la différence. Ce soir, ils m'ont donné 3 ovations debout à l'opéra. Ils criaient bis jusqu'à en perdre la voix. Mais c'est ma célébrité ou mon visage sur les affiches qui les attire, et non ma musique. Non, je ne dois pas me reposer sur mes lauriers.
il faut que j'exploite mon talent pour créer des chansons toujours plus fabuleuses. Mais comment? D'après la légende, le grand compositeur Anton Chestwick a écrit son concerto pandicéen alors qu'il agonisait. Chaque note exprimait son sentiment de perte, son désir de vivre aux portes même du grand vide. Peut-être qu'un avant-goût de la mort m'inspirait moi aussi. Oui, voilà, il faut que je meure un peu pour renaître en tant qu'artiste. Je dois soulever le voile et contempler les grandes vérités de l'existence. Voilà l'ultime source d'inspiration, de puissance créative. Quel chef-d'œuvre je composerai en regardant dans les yeux de l'outsider en personne. Je cherche Anion dans le grand vide. Il a déjà presque tout. Les amis haut placés. Je n'ai encore jamais vu de coffre comme ça. Un lingot en or. Cher monsieur, nous sommes heureux de vous informer que le coffre-fort personnel enregistré avec le conjoint de Yon Jacobi a été équipé de nouvelles serrures dans le cadre de nos mises à jour de sécurité annuelles. Chacun de vous recevra une nouvelle clé permettant d'ouvrir ce coffre, situé dans notre chambre forte. Les deux clés sont nécessaires pour y avoir accès. Veuillez me contacter si vous avez la moindre question. Votre serviteur, Lucrezia Morital. C'est forcément le couteau. Il va falloir cette deuxième clé. Non, ça, j'y suis déjà arrivé.
vous inviter à jouer aux cartes plus tard. Mais quelle idée! Je crois que je vais organiser une... J'en ai plus cassé de cette pagaille. Je fais une fortune pour éviter ce genre de problème. Quoi donc? Van Jacoby. Même les morts sont sans repos à Karnaca. C'est vraiment si difficile de garder cette maison propre. Je ne paie pas tous ces domestiques pour qu'ils se tournent et poussent. Aujourd'hui, je prononce un discours contre la réattribution des sites funéraires à Colibrand Plaza. Je ne sors pas donc de mon bureau. Merci de contacter Eloise en mon absence. Ivan Jacoby. Colibrand Plaza. Je devrais aller voir Ivan Jacoby. Des troubles dans ce quartier? Franchement, est-ce si difficile de garder toute la vermine à l'écart? C'est qui m'a vu. Assurez-vous que cette trappe reste fermée. Je n'ai pas envie de tomber pendant mon discours. Vous avez entendu, monsieur Jacoby. Fermez cette maudite trappe. Compris. Citoyens. Je suis ici pour demander l'abrogation de la loi autorisant la réattribution des sites funéraires. C'est un manque de respect pour les morts comme pour les vivants. Voudriez-vous que vos êtres chers... Oh, non, ça ne va pas. C'est un manque de respect pour les morts... Ah, non. Plus d'émotion. C'est un manque de respect pour les morts et... Mais où est donc passé mon esprit? Il arrivera, je lui donnerai ma clé pour qu'il m'apporte un autre manteau. Nous sommes ici pour parler au nom de ceux dont les voix se sentent. À chaque fois que nous détruisons une tombe et effaçons un nom, un cri silencieux résonne dans le grand vide. Voudriez-vous que vos êtres chers
Là, y a rien. La porte, ferme la porte. Et ça, ça ramène une ruelle derrière. Nous sommes ici pour parler au nom de ceux dont les voix se sont tues. Que se passe-t-il? Protégez votre capitaine, mon sang. Je n'aime pas ça. Le grand jeu, d'accord. Passez la journée. Vous avez trouvé quelque chose? Attendez. Voilà, donc on retourne au bureau.
Alors ça c'est moche ça. Chacun d'entre nous porte le grand vide en lui. Il tourbillonne juste en dessous de la surface de notre conscience. Il n'aspire qu'à une chose, établir un contact, connaître nos peurs, nos désirs. Cette vérité n'est qu'une partie de ce que l'œil nous permet de voir. Gardez ce fragment du grand vide comme une promesse, non seulement de votre potentiel, mais de votre puissance. Lorsqu'il sera permis de nous y joindre, vous pourrez contempler le grand vide dans toute son insondable étrangeté. Alors ce gage nous semblera plus suffisant. Le donneur était nerveux lorsque j'ai allumé la pompe. Note, la prochaine fois, augmentez la dose de sédatif. Premier signe de détresse, murmure, apathie. Je lui ai demandé ce qu'il voyait, mais l'audiographe n'a pas saisi sa réponse. Il faut que je prenne un assistant. Je ne peux pas à la fois poser des questions, surveiller la pompe sanguine et prendre des notes. À un moment donné, il s'est mis à répéter mon nom. Jacobi, Jacobi. Me suppliait-il de l'épargner ou était-ce une vision? Je ne le saurais jamais. Il a également évoqué une certaine Thérésia. Puis il a parlé de baleines et d'une cabane dans la montagne. Cher monsieur, nous sommes heureux de vous informer que le coffre personnel enregistré avec le conjoint Yon Jacobi a été équipé de nouvelles... Bon, c'est la même chose que... Quelques mots étaient griffonnés tout en bas de la lettre. J'ai personnellement supervisé cette mise à jour et je me suis assuré que personne n'a pu poser les yeux sur notre prix. Soyez sans crainte, il n'y a pas d'endroit plus sûr à Karnaca pour ce trésor unique. Que l'œil le protège, le Lorès. C'est forcément le couteau. Il est dans le coffre d'une banque. Il va me falloir cette deuxième clé. On a déjà la deuxième clé. C'est bon, on peut sortir. Par contre, je voudrais bien rentrer dans le bar. Bienvenue, je regarde juste. Il a mis la pagaille partout. Et qui est-ce qui doit ranger tout ça? Moi, bien sûr. Thank you.
Sous-sol de taxidermiste. Il y a un mec. C'est des mouches de sang, ça. C'est immonde. Que fait cette femme? Pitié, faites-moi sortir. File tant que tu peux encore. Merci, merci. Personne n'a envie de servir de repas aux mouches de sang. Cette horrible femme garde tout son membre rouge sous clé. Mais elle se trouve près de sa table. Prenez tout. Je n'en veux pas. Ça ne laisse jamais faire longtemps. Oula, oula, oula. Alors, voilà, 45 dix. Lui, il est mort. C'est par là. Vous êtes membre. Là, vous voyez. Léolina se relâche en ce moment. Bref, vous pouvez entrer. Événement exclusif ce soir uniquement à rang de Ludas Vicia dans le grand salon Cidre de Crystal par
Dorton, Grand Cru, Sarconia. Réunion privée dans le petit salon propre réservé aux clients privilégiés. Le mec, il est sur le verre avec son épée. L'incantation fonctionnera peut-être avec un peu de boue de noir. Il n'y a rien de spécial ici. Ouais, bon, non. Aïe. Le casse. Le couteau à deux lames se trouve dans la banque de Dolores Michaels. Vous avez préparé le coup d'après les informations que vous avez obtenues sur le système de sécurité. Rendez-vous au quartier supérieur de Syria, pénétrez dans la banque et dérobez-y le couteau. Il y a une éternité, j'ai senti le pouvoir du grand vide à travers Dode. Ceux qui l'entouraient pouvaient faire des choses impossibles. Se déplacer de toit en toit, en un clin d'œil. Tomber sur nos ennemis et leur trancher la gorge, comme des ombres. J'ai fait saigner Dunwall pour tout ce qu'elle m'avait fait, à moi et à mes proches. Et là, l'outsider m'a rendu ses pouvoirs, sans raison. Et c'est agréable. On a tué tant de riches qui voulaient tous nous terroriser. On rendait justice. L'outsider est-il coupable de nos actes? La corruption vient-elle du grand vide ou de nos propres cœurs? Des sorcières et charlatans portant des colliers de dents. Des villes plongeant dans le chaos. Désormais, les aveuglés répandent de la magie noire, tandis que leurs chefs dissimulent de dangereux secrets. Ils ont une relique ayant transformé un enfant en dieu il y a des siècles. Un couteau qui pourrait être le seul moyen de détruire ce dieu. L'outsider sait que je compte le voler. Sait-il autre chose? Tu m'as donné ça pour qu'il me porte chance, ma chère Derdre. Je ne sais pas si ça va marcher, mais on va essayer. On va voler cette banque. Bon voilà, c'était un long épisode. Bon allez, salut !